Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est votre ami Ryder qui vous parle, en compagnie de trois autres potos. Alias Cell... Cell Run 4. Oui. Dim. Salut. Qui a été amputé du 7303. Et Monsieur Papyrus qui a vu la porte ouverte. Ouais, salut, il y avait de la lumière, j'avais faim et je suis rentré. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo et donc nouveau quartier, nouveau land pour notre Bush Garden Asia. On est bien d'accord, pour l'instant, il a toujours pas changé de nom. Hein. Non. Non, effectivement, on a une proposition sur les commentaires la semaine dernière pour Garden Flower. Ouais, bon, c'est vrai que comme on est parti déjà sur deux épisodes, puis là on a que le troisième avec Bush Garden Asia. Bon, bah tant pis, on va rester. On va rester comme ça. Ouais, bon. Je pense qu'on va rester sur Bush Garden Asia, ouais. Eh ben, nickel. Alors, on va. La semaine dernière, vous aviez rencontré et découvert. C'est quoi ? Hugolin, c'est ça ? Hugolin le pangolin. Exactement, Hugolin le pangolin de. Et donc aujourd'hui, vous allez découvrir une nouvelle mascotte, créée de toutes pièces par notre cher ami Papyrus, qui je remercie. Bonjour, madame. Franchement, c'est nickel et c'est très drôle. J'ai peur. Tout en sachant que j'ai créé une storyline qui va avec le quartier. J'ai encore plus peur. Il faut pas. C'était pas raciste en plus. Pour une fois. Donc. On va commencer donc à visiter le parc. Parce que ça fait longtemps, hein. Donc, ça hop, fait une semaine. Bien sûr, on a entrée gratos. Oui, on est bien vu ici, nous. Ah bah, en même temps, en tant que concepteur du parc, vaut mieux, hein. Oui, heureusement. Tu vois. Il me semble voir un truc au loin. Je ne sais pas. Alors. Ouais. Oh oui, dis donc. Ouf. Donc, nous marchons. Dépasse. Enfin, là, on court. Ah! Je vois que la mixité est de pair dans ce parc. Entends bien. Alors. Donc, hop. Alors, pour être honnête, c'est vachement fluide. Ça m'a... Je suis très étonné de mon PC. Je vais lui faire un gros câlin bien. À la fin. On peut continuer comme ça. Donc. Là, vous avez l'entrée donc de la zone de Papyrus. La zone chinoise. Et la plus belle de tout le parc, hein. Oui, c'est pas faux. Elle est très jolie, n'est-ce aussi. Pas. Et là, bienvenue sur une petite île du sud japonais. Mmh. Et oui. Ouais, c'est ça. Déjà, beau bâtiment d'entrée qui en impose. Oui. Ouais. Alors, cette zone a toute une histoire. En fait. La tronche de la mascotte. Donc, oui, tu peux zoomer sur la mascotte. Non, je ne zoome pas. Je touche même pas ma molette. Ça me fait flipper devant. Donc, je vous présente la gardienne des lieux, Tortula la geisha. Je précise que je n'ai pas choisi le nom. Hein. Non, je vous rassure, c'est moi-même. Alors. Donc effectivement, cette zone a une thématique donc bien spécifique. Nous sommes dans le sud Japon, donc un autre pays d'Asie. Et nous allons découvrir en fait une station balnéaire pour esprits mal placés. Ah, ça fait quelque chose. Oui, ça a l'air inspiré, non ? Oui, je me suis un petit peu inspiré des voyages de Chihiro. C'est ça, hein ? Attends. Oui, ouais, c'est ça, le voyage de Chihiro. Non, je confirme. Non, mais parce qu'en fait, j'avais aussi Totoro, mais non, c'est pas ça. Donc c'est bon. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas caché les lampes. Et oui. C'est normal parce que j'ai voulu rester sur un fond que on peut pas les cacher, hein, dans tous les cas. Ok. Elles sont voyantes. Donc nous sommes dans l'Empire du Japon. Et nous sommes des humains qui allons être transformés en esprits. Et nous allons. Comme découvrir... en Chihiro, du coup. C'est ça. Et nous allons donc découvrir le domaine des cascades. Des lieux.
Allons-y. Histoire de bien faire ramer le parc, du coup. De même, c'est bienvenue. Donc, Tortula n'aime pas les attractions à faible sensation. Elle aime avoir la tête en bas, voir... Et elle aime beaucoup la verdure, comme vous pouvez le voir. C'est bizarre, un truc qui te remue de partout pour un centre thermal, non? Oui, mais c'est un centre thermal du 21e siècle de l'Empire. C'est pour les lavements. C'est ça. Pas une grosse fontaine à eau pour ça. Tu te mets dessus et bam, t'attends que ça bon. Après, t'es tout propre. Donc, Tortula n'est pas du tout un but de sa personne. Hein. Elle a sa photo absolument partout. Même au-dessus des toilettes. C'est ça. Donc, effectivement, donc le bâtiment principal de la zone est donc les toilettes. Donc, je me suis beaucoup, en fait, enfin, je me suis réinspiré de ce qu'avait fait Papyrus. Du fait que le bâtiment principal, en fait, de la zone sont aussi les toilettes. Ah bah, c'était pas le bâtiment principal, c'était juste sur le chemin. Hein. Oui, mais c'est vrai que c'était le plus gros bâtiment. Bon, j'avoue, oui, peut-être. Donc là. Ça se prononce plus. Donc là, vous avez une zone de contemplation de cascade. Ah, c'est la photo que vous nous avez envoyée, ça, du coup. Oui. Donc voilà. J'aime donc beaucoup, d'ailleurs, avec l'effet de perspective, avec la cascade et la tour au second plan. Ah, merci. C'est pas du tout... En fait, toutes les perspectives que vous pouvez voir n'ont pas du tout été recherchées. Hein, comme la perspective de l'entrée sur le... Merci pour ta franchise. Comment ? Merci pour ta franchise. Ah oui, non, mais moi, je ne réfléchis pas. En fait, j'ai juste posé... Et puis je me suis dit, advienne que pourra. Et en fait, depuis l'entrée, on voit le lift. Et je me suis dit, waouh, je savais pas qu'il était dans l'alignement. Donc non, j'étais plutôt content. Donc voilà. Ça va, ça claque, c'est bien verduré. Ouais. Il y a beaucoup de plantes, hein, c'est sympa, franchement. Ah oui, vraiment. J'aime beaucoup aussi le côté nature et végétaux, enfin végétal qui ressort de ça. Ouais. Après, je me suis un peu documenté sur le sud du Japon, parce que je connaissais pas du tout. Et effectivement, en fait, le sud du Japon est très exotique. En fait, c'est un peu comme la Floride avec les États-Unis. C'est-à-dire que c'est très exotique. Alors que nous, on a plus l'habitude de voir le nord du Japon avec des un peu comme nous, quoi. Un peu comme chez nous. Ouais. Et je pensais pas du tout que c'était aussi exotique. Il y a des forêts, enfin, il y a des jungles et tout. Donc, c'est très. Enfin, ça m'a. Ouais, c'est un climat plus tropical que là du Japon. C'est un climat plus continental, quoi. C'est bien ça. Ok. Donc là, on arrive sur la place principale. Donc vous avez deux boutiques où les gens sont partis. Alors, ils sont en pause. Bravo. J'avais désactivé moi le management des vendeurs dans le fichier original justement pour éviter ce genre de désagréments et de problèmes. Ah bah moi j'ai rien fait du tout, hein. Je vous le dis. Ouais. Donc j'ai une question, Ryder. Oui. Tes bâtiments blancs et verts comme ça, c'est pareil, c'est de la suite documentation ou c'est... Pas du tout. C'est qu'en fait... Non. Je me suis documenté par rapport au temple, parce que je voulais voir comment ils étaient faits. Après, bon, il n'y a pas beaucoup de détails, mais effectivement, je voulais quand même, au moins architecturalement parlant, je voulais voir comment ils étaient faits, eux. Et le vert et blanc, c'est juste que dans un autre parc, j'ai une zone Asia qui est vert et blanc, et je trouve que ça se marie plutôt bien, le vert et blanc. Pour un peu un thème asiatique, et en plus on est en pleine jungle, donc je me suis dit le vert, comme ça les rails du coaster vont un peu se fondre dans la verdure. Donc non, je trouve, mais vous verrez que la nuit c'est complètement différent. Bah on verra ça tout seul. Même by night il y a une autre histoire. Donc l'attraction principale du land est Spirit Journey, avec un accent anglais magnifique. Spirit Journey, dit... Voilà, donc là vous avez une petite... Donc là je me suis complètement inspiré de Park Warner, avec une petite allée qui permet de... Une allée panoramique en fait sur le coaster, qui permet de le voir, tout en sachant qu'il y a une cascade qu'on ne verra pas, enfin que les visiteurs ne voient pas tant qu'ils ne sont pas dans le coaster. Qui est juste visible en ride du coup. C'est ça. Bon, il y a encore faux parce qu'il n'y a pas beaucoup de freins sur les freins de mi-parcours. Et voilà, ça c'est Clément qui est passé. De quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bah regarde. Ah, si tu mets pas de poubelle et si tu désactives pas aussi ça, voilà quoi. Donc la file d'attente. Oui, alors on double tout le monde, hein, on a des fast-pass. On est concepteurs, on a droit. Hein. Oui.
On en profite pour mettre des coups de coude dans les genoux. C'est vous, bande de prolétaires. Voilà. Si merci. Tu mets des coups de coude dans les genoux, c'est que vraiment t'es pas mal. Hein. Oui, bon, bah, excusez-moi, du haut de mon mètre 2. Donc, ça, c'est le bâtiment, donc vu de. Là, j'aime bien la perspective au-dessus de la structure. Elle est toujours pas voulue. Comme d'habitude. Oui, mais elle rend bien quand même. Bon, je suis content. On va avoir faire des trucs bien. Hasardeux. Donc là, on est dans la forêt des esprits. Ouais, avec l'arbre. Des arbres fantastiques. Ouais, on dirait des trucs qui pendouillent, mais. Donc là, allez, le royaume des esprits m'a placé. Hein. Là, il est pas mal celle-là. Donc nous voilà devant la gare. Donc elle est très. Imposante. Elle est très épurée par contre dedans. Mm. Très très épurée. Bah, après, on peut toujours revenir après, mettre des. Remettre des, un peu de déco quoi. Donc. Ah bah, génial. Oui, c'est toujours pareil. Hop, ouais, voilà. Par contre, t'as un sacré. Un sacré j'ai pas lu le terme là. Ah, un sacré. Une sacrée pré-drop, je veux dire. Ah, une pré-drop ? Oui, ça va. Ouais. Mais là aussi, c'est une inspiration. D'un vrai coaster. Que tu veux dire, ouais, parce que là, comme ça, je vois pas trop. Ah. Tu auras un vrai Inverted BM ? Oui. Non, même pas, je crois que non, c'est pas celui que je pense, mais oui, il existe vraiment. C'est celui d'Hershey Park, qui en fait a une pré-drop qui slalom. Ah oui, effectivement, sur The Good Bear. C'est ça. Donc là, vous allez pouvoir apercevoir la cascade. Ouais. Très furtivement. Là, il est sympa ce passage. Ouais, ça fait très Manta ou je sais pas quoi. Oui. Ah, c'est sympa. Hop. Tout proche du sol, j'adore. Ouais, franchement. Et voilà. Ouais, j'aime beaucoup le fondaillot aussi, ouais. Ah, merci. Alors, il a été. Pareil, hein, très au feeling. Hein. J'ai pas cherché trop à comprendre ce que je faisais. Alors, donc maintenant, on va prendre un peu de hauteur. Alors, on va désactiver ça. Voilà. Donc, la gare. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fait une base. Donc, la gare est surélevée par rapport au sol, hein, forcément. Oui. Et, en fait, quand j'ai fait le coaster, je me suis dit que... déjà, je voulais un thème asiatique, forcément. Et je me suis dit, comment pouvoir... Et en fait, je me suis dit, ah bah tiens, je me rappelle du Potola. Donc, qui était au Tibet. Et donc, oui, je sais, j'ai des délires un peu bizarres. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, la gare, la surélever. Et pour éviter, en fait, ces bâtiments blancs qui vont jusque dans le sol, eh ben, je vais créer vraiment un... Comment dire? Comme si on gravissait le haut, en fait, d'une montagne. Et donc, D'où temple, en fait. L'édifice rocheux en dessous, quoi. Comment? D'où l'édifice rocheux, quoi. C'est ça. Ouais. Et donc, ouais, non, je suis plutôt content du résultat. Ouais, t'as utilisé pierre par pierre, là, non? Ah oui, du pierre par pierre, oui. Ouais, t'as dû t'amuser. Tout en sachant que 95% des pierres que vous voyez, c'est toutes les mêmes. Hein. C'est juste que je les ai mis dans des angles différents, ou... Ah bah ça, ils sont tombés en rade, non? Comment? Oui, bah oui, ça m'étonnerait même pas. Non, c'est bon. Ouais, c'est IBM, ça tient le choc, à peu près. Donc voilà. Alors, je savais pas trop s'il fallait que je mette des arbres là, et après je me suis dit non, parce que dans les parcs, il n'y a pas forcément des arbres partout. Donc, Non, mais on verra effectivement avec le... Avec le temps. Si on laisse comme ça, et puis ouais, selon l'évolution du parc, si on rajoute des trucs ou pas, quoi. C'est ça. À savoir que toutes les inversions, à part le looping, ont été faites main. Ouais. Y a pas de... bah, les loopings sont bien faits, donc il n'y a pas de raison de le faire, mais j'ai trouvé que les autres c'était pas donc c'était fait à la main, parce que il y en a quelques-unes qui sont pas mal, mais d'autres qui sont un peu limites quoi parfois. Donc les drive-loops et les corkscrews sont pas encore trop poivres, le reste est pas génial en tout cas. Non, je veux dire les modèles qui sont dans le jeu, préfabriqués. Non, les tiens sont très bien. J'ai cru que je me suis éclaté. Non, franchement, je trouve qu'il avait...
Oui. De ce qu'on envoie sur la vidéo, ça a l'air plutôt fluide, plutôt smooth, donc ça a l'air vraiment pas mal, quoi. Et j'ai refait mon inversion hybride, mi zero G-roll, mi flat spin, en fait. Ouais. Ah donc, oui. Je me suis retrouvé ici, et en fait, on est en fait dans le back, enfin dans le derrière du land à Papyrus. Ouais, sur les backsets du land chinois, du coup. Ouais. Et donc en fait, je me disais, est-ce que j'aplanis un peu le terrain? Et en fait, je me suis dit non. Comment? Bah, surtout que si t'aplanissais le terrain, t'allais te retrouver dans la taverne du dragon. Là, donc, c'est ça. Et donc je me suis dit, c'est pas grave, on va faire du terrain coaster. Non, mais c'est très bien. C'est même mieux d'ailleurs que si t'avais justement fait un truc un peu trop droit et qu'on avait foutu en l'air l'immersion du reste, quoi. C'est ça. Donc voici en fait toute la partie en fait qu'on voit pas. Donc je suis parti du principe qu'effectivement on est dans une jungle extrêmement dense. Donc en fait il y a des petites rivières qui sont engluées sous la végétation, qui est très dense. Ouais, on voit ça. Ça pourrait être dense, ça a l'air dense là. Ouais, c'est clair. Je veux même pas savoir le nombre d'arbres que t'as planté là. Ah bah là j'ai sauvé l'Amazonie, hein. Je vous le dis tout de suite les gars. T'as transféré l'Amazonie plutôt. Ouais. C'est ça. À savoir qu'il y en a encore tout là, hein. Enfin c'est. Ouais. La zone est. Après le rendu est vachement bien. Je suis pas sûr que ce soit génial au niveau des performances de l'ordinateur. Non. Mais en tout cas le rendu visuel est quand même plutôt sympathique, quoi. En tout cas, le haut de la zone est comme ça, et en fait, j'ai failli rajouter là, en fait, un nouveau coaster. Et après, je me suis dit, non, arrête. Non, ça fait too much, un peu. Oui, c'est ça. Donc, voilà, bon, voilà. Contre, du coup, effectivement, ça condamne une partie des accès qu'on pensait pour par rapport à la zone que j'ai faite la semaine dernière. Oui. Mais bon. En fait... Ouais, je sais pas. Alors, oui. Après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça... Qu'est-ce que t'as dit, Dim? Non, je dis oui et non, en fait, entre les chiottes et la garde et la station de ton coaster, il y aurait peut-être... Ah non, c'est non, quoi non, là, en fait, tu passes dans la cascade qui, justement, elle est là. Et en fait, là, il y a de l'eau. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, à la base, je pensais donc aplanir ici, parce qu'il avait créé une petite butte, et le problème, c'est que ça faisait pas réaliste avec les allées. Donc je pensais aplanir un petit peu et en fait faire une entrée ici et une entrée ici. Donc une entrée un peu secondaire. Donc j'ai abandonné rapidement quand j'ai commencé à creuser en fait les canaux. À savoir qu'on peut relier les deux zones par ici. C'est-à-dire qu'en fait là vous avez un grand... Ça c'est que de l'allée, hein. C'est de l'allée de sortie. On peut créer très bien un jour une grande allée qui contourne tout ça et qui vient, hop, se mettre ici. Oui, soit une allée, soit un petit train, comme vous disiez, un petit train panoramique avec un arrêt sur chaque land. Oui, par exemple. Mais c'est vrai que lui, en fait, nous condamne le passage. Bon. Ouais, après, on peut très bien laisser la zone chinoise comme elle est, comme ça. Oui. Et par contre, repartir, en fait, entre le... Au niveau du, j'ai essayé de m'expliquer, de l'espèce d'auberge que Papyrus a faite. Oui. Repartir juste sur la droite, entre le manège de Montgolfière et ça, et refaire un truc qui redescendrait vers une autre zone, quoi. C'est vrai. Quitte à ce que je modifie légèrement mon bâtiment de la Main Street pour refaire un truc qui repasse par derrière. Je sais pas, c'est... Oui, bah à voir après. Par exemple, pourquoi pas décaler la file d'attente du carrousel un tout petit peu plus, ou alors l'étaler et créer une allée ici. Ça libérait une allée. Je peux décaler l'ensemble en fait d'un cran d'un point sur la droite pour libérer une allée qui irait de ce côté-là, quoi. Donc, mais ça après, oui, ça se travaille justement. On verra après. On verra plus tard, quoi. Vu comme on est bien parti, il y a beaucoup de zones qui vont s'accoler. Donc maintenant, on va visiter le parc de nuit. Alors, vous verrez que. T'as pas montré du coup le flat. Pardon. Ah, vous voulez un on-ride du flat? Oui, et puis on n'a toujours pas vu ce fameux nouveau symbole du parc magnifique et extraordinaire. Oui, c'est vrai. Ouais, on l'a pas vu. Mais quel symbole? Bah, c'était le... La mascotte. On l'a pas vu. Tortula, la geisha. La nouvelle mascotte. On l'a pas vu de près. Ah, pardon. Bon, bah, on va faire quelques inversions, puis après, on le... J'ai déjà la gerbe. Tu remarqueras qu'il y en a sur l'allée de sortie déjà par terre. Hein, mais... Oui.
C'est vrai que ça donne la gerbe, hein. Pierre, il fait vraiment trop beau. Oh, par contre, c'est vachement joli, hein, avec la cascade derrière. Il y a des jolis vieux, ouais, du coup. Ouais, ça donne presque envie d'y aller dessus, tu sais. Presque. Ouais, presque. Bon, bah le tour est fini. Alors. C'était génialement nul. Ouais. Bah écoute, hein, il en faut pour tout le monde, hein. Je crois qu'on est d'accord pour dire que tous les quatre, on n'est pas fans de ce genre de machine. Ah, c'est clair, ça a l'air... Mais pourtant, j'en ai jamais fait, je voudrais bien en faire au moins une fois pour tester, même s'il faut que... Voilà. Non. Ouais, alors, ça manque un peu d'intérêt. Voici Tortue. Laissez-moi les Skyfly, ça va très bien. Ah, comme c'est beau. Voilà, Tortue, là, oh, la geisha. Oh la vache. Quel est le génie derrière ceci? C'est magnifique, extraordinaire. On dirait un croisement entre Shihiro et une tortue ninja. Bah déjà, c'est vrai que... Quand j'ai entre vu... Shihiro, tortue ninja et RuPaul Drag Race. Oh, et, oui, c'est vrai. Et Franklin, pour ceux qui se connaissent, du coup, mais oui. Franklin la tortue. Donc voilà. Au niveau du... voilà l'hôtel. Donc maintenant, on va y regarder By Night. Hop là. Attention. By night, ça veut dire de nuit pour les non anglophones. Même avec son accent pourri. Voilà. Oh, c'est tout. Voilà. C'est pas assez. Oh. La donc, belle lune. Oui. Donc à savoir que la nuit. Mais elle fonctionne pas là. Comment? L'espèce de lampadaire dragon là, il... Oui, c'est les mêmes. En fait, j'ai pris ceux de Papyrus et puis je les ai clonés un peu partout. Ah bah, c'est pas ça, on dirait qu'ils fonctionnent pas là. Ouais, ah, c'est normal. Là, Ah oui, c'était... non, tu les as mis en vert. C'est ça. En fait, c'est voulu le fait de pas beaucoup éclairer. Parce que je voulais qu'on reste sur un thème très esprit. Et même dans les... mystérieux. Voilà, et en fait, dans les parcs réels... Des fois, t'as certaines zones qui sont très peu éclairées. Donc, genre par exemple à Disneyland, la zone Adventure, qui est Adventureland, qui est très peu éclairée. Donc, il est très facile de se retrouver presque dans le noir complet en fait. Et je voulais garder ce système-là en fait. Oh, j'aime beaucoup par contre le côté vert sur cette fille. Ouais, c'est très sympa. Effectivement, qui change totalement de tête. Oui. Une fois la nuit tombée, c'est plutôt sympa. Ouais. Voilà. Donc en fait, le rouge, c'est un peu la lutte contre des démons qui viendraient en fait embêter les esprits. Ok. Ils embêtent sur les lifts et les zones de frein. C'est ça. Oh, salaud. Ils embêtent sur les parties. Mais ils embêtent sur les parties chiantes. Oui, voilà. Oui, voilà. Oui. Bah, ouais, ça fait de la peur. En fait. En fait, quand on y repense, c'est les comment dire, c'est là où on est le plus statique. Donc en fait, on est les plus vulnérables. C'est ça, les plus vulnérables, bleu. Et non, donc la cascade aussi prend tout éclairé en rouge. C'est ça. Ouais, ouais, ça a son style. Ça fait presque rivière de sang à la Démésis, c'est ça. Avec le rouge. Avec la grande tour bien blanche. Je t'ai pas entendu, Dim. Oui. Pardon, dès qu'il faut ramener tout à Nemesis, t'es là, quoi. Moi, je suis preneur. Hein. Non, en plus, c'est un inverted BM, et voilà, il avait pas le choix. Oui. Bon, même si moi, du coup, les cascades de sang ne marchaient pas lors de ma visite, mais... Bon, après, perso, enfin, je m'en rappelais même plus des cascades de sang de Nemesis. Commences-tu? Bah parce que en plus Alton en lui-même n'est pas un parc que je visite qui me donne envie donc. Non, c'est dommage parce que c'est un très bon, ça reste un bon parc. Hein. C'est vrai, bon tu vas tourner de l'œil CL Run 4 là. Ouais, tu vas me tourner un gros bond, c'est moi qui suis tombé de ma chaise du coup. Donc moi ce que j'ai beaucoup aimé par exemple sur ce flat, autant il est nul, mais regardez le changement de couleur en fait quand il monte tout en haut. Alors, c'est vrai que c'est complètement. Oui, on attend. Oui, mais attends, alors, le temps que ça monte. Alors, en fait, en dessous, c'est éclairé en vert. Et au-dessus, en rouge. Et j'aime beaucoup le fait que. Donc, on reste sur la même. Oui, on a 3%.
Ryder, il sait faire monter la sauce. Ça fait un peu sauce tabasco vu les couleurs d'avant, mais... Non, mais moi j'aime bien. Et on a l'impression que tout est rouge en haut. Alors, ouais, c'est tabasco, mais c'est bien foutu. Ouais. Bien t'as mis des... c'est parce que t'as mis des éclairages sur le haut de la tour, là. Ouais. Ah, c'est pas mal, ouais, c'était une bonne idée. Ouais, c'était intéressant, toi. Je me suis amusé avec les projecteurs. Alors, à savoir que celui-ci, là, en fait, comment dire, j'ai fait des choses que je ne fais jamais d'habitude. Hein, c'est-à-dire les tout ce qui est, comment on appelle ça, les balcons. Je ne fais pas. Et j'ai mis des balcons absolument partout. Parce que je me suis demandé où on va voir. Donc, il y a de la lumière partout. Je me suis déchiré pour ce land. C'est ce qu'il faut faire, du coup, parce que ça amène un peu de texture et de profondeur au bâtiment, et ça le rend un peu plus réaliste, quoi. Ah bah, clairement. Mmh. Oui. Ça, c'est des fois... On a tendance à faire des bâtiments qui sont bien rectangulaires, tout droit, ouais. Puis finalement, derrière, c'est moche, quoi. Enfin, c'est des gros hangars, il n'y a pas... Ouais, c'est difficile de faire du détail, en fait. Oui. Et puis en plus, ça va pas avec le style de parc qu'on a choisi. Parce que même si les fils ne sont pas ultra thématisés, un Busch Gardens reste quand même extrêmement agréable à regarder et à visiter. Oui, on n'est pas sur du bas de gamme en termes de qualité. C'est ça. À savoir que j'ai quand même voulu... Facile à refaire, quoi. Voilà. À savoir que j'ai voulu quand même garder du vide. Ouais. Parce qu'en fait, trop de bâtiments... ou trop de végétation, un peu comme à Trip Drill, où en fait vous savez cette grande il y a une grande langue verte là où il y a Karachau et tout, où les gens pique-niquent et comment on dit Cararo. Oui. Cararo. Moi c'est Karachau. Camaro. Si c'est la Chevrolet ça va, si c'est autre chose ça va pas. Claire. Mais ouais, donc j'ai voulu reprendre, donc il y a pas beaucoup de vide. Mais voilà, il n'y a pas de... Ouais. Y a certains points ou... Faudra juste qu'on pense à rajouter des barrières ou des haies un peu pour limiter l'accès justement à ces zones vides. Oui, mais le parti pris est là. Parce que, bon là, c'est d'autant plus... oui, logique que... parce que on va éviter une décapitation inopportune. Mais, clair. Donc mais, voilà mais pour la petite zone. Non, c'est très sympa, on va dire, ouais. Ouais, ah bah, je suis content. Ça se voit qu'il s'est déchiré le rider pour une fois. Ouais. Ça change. Oh. Ça change plus d'habitude. C'était méchant. C'est clair. Et méchant et gratuit. Et écoutez bien, les enfants, ce qui est gratuit, c'est bien. Voilà. Oh mon dieu. C'était le conseil de la journée par Papyrus. Voilà. Mais, c'était gratuit. Oui. C'est un conseil gratuit. Ouais. Donc voilà. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire? Des commentaires Non, enfin, je sais que moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette zone-là, du coup. Mmh. Donc ouais. On a une zone chinoise, une zone japonaise, une zone un peu melting pot. C'est ça. Reste à savoir du coup ce que nous fera nous cher Dim pour la semaine prochaine, quoi. Mmh. Hâte de voir ça. Surpris. Vous verrez ça. Non mais oui effectivement Ryder, moi je trouve que c'était original l'idée déjà d'avoir fait d'avoir toute une histoire autour et d'avoir construit carrément un faux hôtel avec toute l'histoire qui va autour quoi. C'est non, ça va bien ça va bien ensemble la bataille des esprits le flat après je sais pas. Le lien est voilà, mais oui. Je crois que t'avais envie de nous foutre un flat. Bah en fait oui. Mais... Bah après l'idée est bonne, il est bien mis en valeur. Après c'est vrai que c'est pas forcément le type de flat qu'on préfère, mais pas pour autant que ça n'a pas de succès quoi. Bah après en fait je me suis juste dit que toi Papyrus t'avais en plus la file est blindée. Hein. Donc en fait Papyrus toi t'avais fait un family coaster et un flat familial. Donc je me suis dit que créer une zone 100% sensation, ça, je trouve que ça avait sens. Effectivement, oui, parce que du coup, c'est vrai qu'on a une zone 100% familiale, et puis là, on a une zone un peu plus sensation. C'est ça. Bon, c'est vrai que du coup, maintenant, dans les parcs, ils essayent de foutre un mélange, quoi. Oui. Ouais, pour que...
pour que les gamins ils aient quelque chose à faire pendant que les grands ils vont rider les gros machins. Ça. Mais voilà, bon, c'est vrai que nous on l'a pas forcément pensé comme ça non plus. Mais non, ouais, non, je. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit sur cette nouvelle zone. Eh bah écoute, elle est très bien. Bon, ouais, bah, je vais voilà. T'as le droit de continuer Planet Coaster. En tout cas, pour ceux qui nous ont regardés, donc je vous remercie. On vous remercie tous. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager et surtout vous abonner. Pour ma part, oui, plein de gros pouces bleus. Et des pouces bleus. Pour ma part, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à plus. Salut, ciao. Salut à tous. Et à bientôt tout le monde.